Oh, à la fin, hein. On rentre dans ce vestiaire puis on a un sentiment qu'on a laissé passer 2 points parce qu'on a eu 2 avances. On a quand même bien joué. C'était un bon match, mais on a laissé quelques, pour dire des erreurs, quelques moments, puis ils en ont profité puis ont marqué 2 buts. Donc, c'est dommage, mais on dirait que quand on défend bien, on marque pas. Puis quand on marque, ben là, on prend des buts à des mauvais moments. Qu'est-ce qui arrive, c'est quand tu joues plus offensif, tu as tendance à créer des espaces, on va à l'avant, puis surtout quand tu marques un but, les quelques minutes après ça, ben c'est normal, toutes les équipes commencent à rentrer dans un certain confort, puis là, on devient permissif, si on veut dire, à l'autre équipe, puis je peux pas dire qu'ils ont créé beaucoup de chance, mais quand ils ont eu, ça finit au fond du filet, donc, puis nous, on doit en créer 10 pour en marquer 2. Il faut collectivement, il faut qu'on prenne la responsabilité, parce qu'à la fin, quand on attaque, il faut réaliser que c'est pas juste attaquer, hein, qu'il faut défendre, il faut se repositionner. Parce qu'on peut demander aux défenseurs de faire tous les tacs possibles, mais si continuellement on donne le temps à des joueurs de se trouver down the wire, le défenseur, à un moment donné, il ne peut pas toujours marquer le joueur à la culotte tout le temps. Donc, il faut collectivement on fasse l'effort des deux sens. À Columbus, on l'a fait défensivement. Là, on a fait un bel effort offensif parce qu'on a attaqué avec beaucoup de joueurs, mais c'est un travail dans les deux sens pour tout le monde. Obviously, really wanted the points. We know what points mean at home in this league, and didn't feel like we were smart enough or gave enough at the end there to get the 3 points. To give up counterattacks when you're winning games and you're ahead in the game, it can't happen. It's unbelievable. It keeps happening. It's the same thing over and over. Losing guys in the box, counterattacks when we're winning. And it's just, it hasn't been enough. And, you know, we haven't been punished enough where, you know, we've been losing games, we've been drawing a lot of games, and we've dropped in the standings, but it hasn't been, you know, to the point where you look at it and you really get scared. So I'm not sure if we need, you know, to get smacked in the face by, you know, dropping a 6th or 7th or what it might take to get us out of this. But right now it's not good enough, and we need to be better. Ouais, je pense que on a bien joué. on a créé des occasions. On était dangereux. Je pense que il y avait des bonnes performances dans mon groupe, mais on les a donné 2 buts, à mon avis. On compte, on fait le 1-0 avec un excellent but, peut-être l'un des plus beaux de l'année. Et puis, 10 minutes après, on donne un but avec Dom Dwyer tout seul dans la boîte. Ce sont des erreurs qu'on ne peut pas faire à ce niveau. Et de compter 2 buts à domicile, ça doit être assez. Ça doit être assez. Il faut compter et puis c'est fini. Et il faut savoir gérer un match aussi. Quant à l'avance, comment gérer. Alors, oui, c'est décevant qu'on n'a pas eu les 3 points. Je pense qu'à l'attaque, encore, on a démontré beaucoup de choses, même certaines choses défensivement, mais un manque de concentration et on a commis 2 erreurs et puis ils nous ont fait payer pour ça. On savait, quand tu joues 4-4-2, tu vas à l'autre équipe, il était avec 3 au milieu, il y avait ce petit avantage, mais au niveau de la possession, il n'y avait pas beaucoup plus du ballon. Et on était plus dangereux, alors je ne peux pas dire, je pense qu'au milieu de terrain, ils ont fait leur travail. Et à la fin, le penalty, c'est venu d'une bonne relance de Becker à Didier, et puis pour la plupart du match, on a bien contrôlé ça. Et comme j'ai dit, un manque de concentration et on fait 2 buts. Ouais, je pense que c'était un beau but. Je pense qu'il y a eu aussi une autre occasion avec la tête, avec le centre de Didier. C'est normal, un jeune comme ça qui vient, ça prend un peu de temps de s'adapter. Et puis je pense qu'il s'améliore. Et les joueurs, ils commencent à le connaître un peu plus. Alors, je suis satisfait de son travail jusqu'à là. You know, I don't want to say it's a problem because I think if you look at the standings, we didn't lose games. And if you look at the league and the scores tonight, also there was ties. So you see that there's something, you know, that happens in the league. And Toronto tied, and New York tied, and Columbus tied, and we tied. It's frustrating. Because we, you know, we haven't gone to that next step just yet, and I think that's what we're going to continue to work on. Because if we are able to, and then we're going to start accumulating wins and points.